Les données que nous avons ne rassurent pas du tout les réserves. Et il ne sera qu'une question de temps avant que ça ne cause un dommage à l'écosystème de Tron, ce qu'on ne souhaite même pas, parce que ça va être encore de trop pour l'écosystème. Si vous êtes sur ce marché, vous êtes certainement en train de savoir ce que c'est en train de se passer entre Binance et FTX. Binance qui a décidé de vendre Dumpit. ses FTT suite à des révélations, bien évidemment, sur l'état financier de FTX, ce qui est en train de causer la panique sur le marché qui a littéralement conduit FTX au bord du gouffre jusqu'à présent. Et Binance, il voulait sauver FTX, mais vu un peu aussi les états internes qu'ils ont remarqués et certaines investigations aussi qui se déroulaient, qu'ils ne pouvaient pas aussi sauver. Et derrière tout cela, il y a un acteur qui est rentré en jeu. Il s'agit bien évidemment de Justin Sun, le fondateur initial du projet Tron que nous tous nous connaissons aujourd'hui. Je suis sûr que la plupart utilisent cette blockchain d'ailleurs. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Quelque temps après le refus de Binance d'acquérir FTX, Justin Sun a proposé quelque chose. Il dit que comme les retraits sont suspendus sur FTX, que Tron va faire maintenant, c'est que il va apporter de la liquidité en Tron et aux tokens qui sont dans l'écosystème de Tron, à savoir le BTT, le JST, le HT token et consorts, que les gens pourront trader sur FTX et pourront uniquement retirer le FTX vers voilà d'autres échangeurs qu'ils voudront. Et la conséquence immédiate sur le Tron, c'est que le Tron actuellement sur FTX est allé jusqu'à 2 dollars à son plus haut. Actuellement où je fais cette vidéo, il est dans les 0,25. Donc, le problème qui se pose actuellement, c'est que est-ce que après l'achat des gens, puisque les gens ont besoin de liquidité pour pouvoir sortir de la plateforme de FTX, si après maintenant les gens reçoivent leur Tron, déjà il y a un grand problème de liquidité qui va se passer, puisque les gens vont acheter cher sur FTX et ils vont revendre encore sur d'autres échangeurs qui sera moins cher. Puisque je rappelle très bien que c'est sur FTX seulement que actuellement on a ce prix de Tron qui est un peu plus haut. Vous voyez un peu. Donc, quand les gens vont retirer, même s'ils vont aller vendre à perte sur d'autres échangeurs pour au moins retirer le minimum de ce qui leur reste, il faut voir ce que ça peut entraîner déjà sur le prix de Tron. Ça va chauffer maintenant. Ça, c'est un ça. De deux, il y a encore une autre grosse révélation même qui peut encore empirer les choses. Puisque nous tous nous savons très bien que FTX, après l'effondrement de Luna, on a vu un peu comment FTX sauvait les gens, hein, que les gens réalisent que lui-même il avait des problèmes à l'interne. Actuellement, il y a des révélations très bien claires qui sont en train de venir que la réserve, puisque Tron également, après l'effondrement de l'UST de Luna, ils ont créé un stablecoin du nom de USDT. Il y a des révélations qui sortent aujourd'hui que les réserves qui backent ce stablecoin-là ne sont plus certaines. De cela quelques jours, il y a des baleines, c'est-à-dire ceux qui détiennent souvent de grosses quantités, qui ont commencé par échanger des USDD en USDT, causant maintenant un DPEG. À l'heure où vous faites cette vidéo même, le USDD de Tron est en DPEG, c'est-à-dire quand il est en DPEG, il est en dessous de 1 dollar, quoi. Normalement, les stablecoins doivent être en parité avec 1 dollar exactement. Donc, actuellement, où je fais cette vidéo, USDD n'a pas encore retrouvé son PEG. Et il y a de cela des jours maintenant, même des semaines. Et selon les investigations qu'on a eu à faire, c'est que les réserves ne sont pas encore sûres. Et je pense que la plupart n'est pas encore conscient de ce qui s'est est en train d'arriver, à moins que la fondation de Tron ou bien Justin Tron même vienne démentir les faits. Sinon, actuellement, ce qu'on voit sur les données que nous avons ne rassure pas du tout les réserves. Et il ne sera qu'une question de temps avant que ça ne cause un dommage à l'écosystème de Tron, ce qu'on ne souhaite même pas, parce que ça va être encore de trop pour l'écosystème. Déjà que nous avons FTS qui n'est pas encore parti. Et il y a encore d'autres qui vont arriver. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, Justin Tron qui veut sauver FTX, est-ce que lui-même, il est safe? Est-ce que ce sauvetage-là pourra vraiment aboutir? Je vous attends dans les commentaires. Et surtout, si vous êtes un détenteur de Tron, bien vous avez des projets dans l'écosystème de Tron, bien vous avez même le stablecoin de Tron,
faut vraiment prendre vos dispositions pour ne pas potentiellement, on ne le souhaite pas encore une fois, vivre un scénario à la Luna et à l'UST. Donc voilà ce que je voulais dire à propos. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et d'ici là, portez-vous bien. C'est chaud, mais l'art crypto est ici pour rester.